Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite du mois d'octobre. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pu tester ces derniers temps, donc des choses qui sont nouvelles, d'autres pas. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc il y a un seul produit nourriture, il y a un complément alimentaire et ensuite ça sera que de la beauté. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vous présente des produits cosmétiques. Il n'y a pas de parfum. Donc on commence tout de suite par ce petit gadget. Le produit a fait beaucoup parler de lui. Donc c'est une autre marque qui est un peu plus chère. Moi j'ai réussi à trouver quasiment la même chez DM dans la marque Ebeline. Donc c'est cette brosse là. Donc désolé, elle est un peu mouillée encore. Donc c'est une brosse en fait qui présente plein de poils et qui n'est pas du tout agressive. Au contraire, c'est très doux. C'est fait pour vraiment masser et répartir le produit sur l'ensemble du visage pour nettoyer sans utiliser vos mains. Et c'est assez sympa. Alors moi je l'ai payé rien du tout ce truc. Je l'ai payé 2 € je crois chez DM. Donc je me suis dit c'est le moment de l'essayer étant donné que apparemment c'est génial pour nettoyer. Donc j'avoue que c'est vraiment pas mal du tout parce que c'est hyper doux en fait. Moi je mets l'ensemble de mon nettoyant sur le visage et ensuite je viens masser le nettoyant et le visage avec cette brosse là. Donc vous voyez ça présente plein de poils en fait et qui permettent de vraiment venir faire un petit massage sur la peau. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal et au niveau du prix c'est top. Donc ça je suis assez content de l'avoir essayé. Je l'ai acheté récemment donc je voulais l'inclure dans cette vidéo parce que c'est une nouveauté un peu dans ma salle de bain et puis le concept me plaît bien et la douceur en fait des poils me plaît bien sur la peau, c'est hyper agréable. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau masque de chez Décléor. Donc c'est le Harmony Calm. D'ailleurs, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo dédiée au masque. Donc ce produit-là, c'est un masque gel crème lactée réconfortant à l'huile essentielle de rose. Donc c'est celui-ci. Donc ce produit-là, ils l'ont juste repackagé parce qu'en fait, en bas, vous aviez déjà le pinceau qui était inclus. Et je pense que bon, ça devait pas plaire à grand monde étant donné que c'est pas très très hygiénique, je trouve. Et c'est pas très très pratique. Moi, j'aime pas trop ce système-là. C'est assez gadget au final et puis c'est pas top. Donc ils ont fait ce produit-là dans un tube. Et ensuite, vous avez inclus dans la boîte un petit pinceau d'éclair. Donc ça, je trouve ça juste top. Parce que déjà, je m'en sers pour les autres masques. Et en plus, je trouve que c'est une valeur ajoutée au produit. Vous avez un petit pinceau comme ça qui est assez efficace et assez sympa. Donc ça, c'est vraiment top. Le masque a cette texture-là, en fait. C'est une texture, vous voyez, assez lactée, assez laiteuse. C'est un espèce de gel que vous répartissez sur l'ensemble du visage. Et en fait, c'est bien et pas bien à la fois parce que moi j'attends un masque qui m'apporte du confort et que la texture reste sur la peau pendant un petit moment et ça permet vraiment d'avoir un confort supplémentaire. Là, ce produit-là, étant donné que c'est une texture assez légère, il rentre immédiatement au niveau de la peau. Alors tout dépend des types de peau, vous me direz. Mais moi, il rentre immédiatement au niveau de la peau et ça laisse un léger film, pas gras, mais un léger film protecteur, on va dire. Et ensuite il vous faut soit retirer avec un petit mouchoir à l'excédent et vous allez au lit si vous le faites le soir, soit vous rincez. Alors moi je l'ai rincé parce que je l'ai gardé vraiment je crois 1 ou 2 heures sur la peau, donc ça a eu le temps vraiment de pénétrer. J'aime bien parce qu'il est quand même efficace au niveau de la déshydratation, au niveau de l'éclat du teint. L'odeur de rose n'est pas trop présente. Enfin, c'est une odeur de rose qui est plutôt agréable, moi qui ai horreur de la rose. Mais voilà, il est bien mais sans plus. Par contre j'ai voulu l'inclure dans mes favoris tout simplement parce que le pinceau et ça je trouve que c'est un super rapport qualité prix. Et par contre le résultat y est. Je suis moins fan de la texture et de l'effet pendant les 20-15 minutes. Ils disent 5 à 10 minutes de pause. Moi j'aime bien le laisser plus longtemps. Donc c'est vraiment très très personnel mon avis par rapport à ça. Mais vraiment top en termes d'efficacité et au niveau du petit pinceau qui est inclus dans votre achat. Ensuite, je voulais vous parler d'un nettoyant. Je vous en avais parlé dans un live beauté sur Facebook. C'est le nettoyant New Skin, le Pure Cleansing Gel. Donc c'est celui-ci qui est dédié aux peaux mixtes à grasse. C'est une texture gel gelée, on dirait un peu de l'aloe vera. Ça sent extrêmement bon. Les fleurs, et il y a un petit côté fleuri et fruité, ça sent un peu le bébé. Ce nettoyant là, honnêtement, je l'aime énormément, tout simplement parce qu'il a l'effet, alors je le dis à chaque fois qu'on me demande parce que je trouve que ma peau a changé depuis que j'utilise justement ce produit là et l'hydratant que je vous présente en suivant, c'est que ça apporte énormément d'éclat et je trouve qu'il a l'effet d'un masque et d'un gommage en même temps. Dès que vous sortez de votre douche, dès que vous avez nettoyé votre peau,
Il élimine toutes les petites rugosités, il apporte énormément d'éclat. Je trouve qu'on sent que la peau est bien bien purifiée vraiment en profondeur avec ce nettoyant-là. Étant donné que j'aime bien alterner avec des textures crème et des textures gel pour peau mixte à grasse ou pour tout type de peau, voire pour peau déshydratée pour éviter de déséquilibrer ma peau, ce qui est normal, surtout au nettoyage, ce que je fais c'est que j'alterne, en fait j'utilise... Tous les 2 jours, j'utilise ce nettoyant-là. Le soir, il est hyper agréable. Le matin, quand vous êtes fatigué, c'est bien parce qu'il apporte énormément d'éclat et surtout, il réveille le teint, je trouve. Donc ça, vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi parce que c'est vraiment un gel nettoyant. Alors, il est sans savon, du coup, ça agresse moins la peau. Et il est vraiment dédié aux peaux mixtes à grasse. Pour les peaux sèches, il faut vous diriger vers la gamme qui est en dessous si vous êtes intéressé par ce produit-là parce que ça sera peut-être trop fort pour vous et ça sera trop purifiant, c'est pas le but non plus. Donc ça, vraiment, énorme coup de cœur. Il en faut vraiment pas beaucoup, c'est du 150 ml. Ça fait déjà 2-3 semaines que je l'ai, vous voyez, il me reste tout ça. En sachant que j'alterne tous les 2 jours, vous voyez, ça dure quand même pas mal de temps, il en faut pas beaucoup. Donc ça, vraiment, top. Ensuite, en douche, produit pour la douche, j'ai découvert depuis peu, mais j'ai adoré l'odeur. Pourtant, c'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime d'habitude. C'est une mousse de douche de chez Dresdner Essence, donc c'est à la grenade. Vous avez de la grenade, c'est très hydratant, c'est une mousse très très onctueuse, donc maintenant c'est assez. Il y a beaucoup beaucoup de marques qui proposent ça. J'adore l'odeur, c'est très fruité. C'est très hydratant, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir une peau décapée après la douche, pas du tout. C'est hyper, hyper efficace, j'aime bien cette marque-là, ils proposent des produits pour la douche assez sympa, donc c'est vegan. Voilà, que vous dire d'autre? À la grenade et au pamplemousse, pardon, j'avais oublié le pamplemousse. Donc mousse de douche, assez top. J'ai utilisé déjà pas mal de marques, mais celle-ci est vraiment bien au niveau des parfums, au niveau de la composition, c'est pas mal aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler d'un complément alimentaire. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais j'avais fait un gros régime il y a quelques années maintenant, il y a plus de 10 ans. Et depuis, j'utilise toujours, toujours des compléments alimentaires pour m'aider, pour éviter d'avoir des carences, pour apporter un plus de vitamines, un plus d'oméga-3, oméga-6, de la spiruline pour éviter les carences, etc. J'aime beaucoup utiliser des compléments alimentaires parce que j'ai vu une différence et ça m'a beaucoup aidé pendant mon régime justement où j'avais perdu 30 kilos quand même. Donc ça aide beaucoup à la récupération du corps, à éviter de perdre trop de muscles pendant votre régime, à récupérer, à maintenir un tonus, à maintenir une vitalité, etc. Et donc en ce moment, j'utilise des oméga-3, donc je fais quasiment toute l'année parce que... Bien évidemment, les oméga-3, ce sont des oméga essentiels, c'est-à-dire que votre corps n'en produit pas, il vous faut lui en apporter. Donc par les poissons, vous avez des huiles, les huiles végétales, les oléagineux, etc. Donc bon, tout dépend de votre alimentation. Moi, je sais que j'arrive pas à couvrir la quantité journalière qui est recommandée pour être en forme. Donc du coup, je m'aide avec des compléments alimentaires qui sont sains et qui sont vraiment très très complets. Donc en ce moment j'utilise le Marine Omega de Pharmanex, donc c'est une grosse grosse boîte comme vous pouvez voir. Il y a à l'intérieur 120 gélules, donc j'en utilise 2 le matin à jeun et je déjeune après. Donc 2 grosses capsules, alors elles sont assez grosses et c'est ça qui est génial je trouve parce que sur le marché actuellement il n'y en a pas je crois des aussi grosses. Donc vous voyez c'est quand même très très gros, c'est ça qui m'a vraiment plu dans ces gélules-là. Donc vous avez des huiles de poisson à l'intérieur, je vous montre, et juste en bas, vous voyez, il y a un petit côté un peu plus sombre, ce sont des huiles de krill en fait, ce sont des toutes petites crevettes, du coup c'est mieux de favoriser des huiles de poisson très très petits, ça évite d'avoir des métaux lourds à l'intérieur, d'avoir des déchets au final, parce que les poissons les plus petits forcément sont moins vulnérables à tout ça. Donc ça c'est vraiment top, qu'est-ce que ça apporte les oméga-3? Tout simplement ça va... apporter beaucoup plus de vitalité au niveau cardiovasculaire, ça va vous aider au niveau cérébral, ça va vous aider au niveau de la vision, ça va améliorer la beauté et la qualité de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles. Les oméga-3 sont vraiment essentiels pour éviter justement d'avoir du mauvais cholestérol, pour avoir un cœur en bonne santé, pour booster les défenses immunitaires, surtout au niveau de la vision, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, c'est juste génial, et au niveau de la peau. Alors au niveau de la peau,
Même si vous avez une peau mixte, ne vous dites pas que si, même grasse, ne vous dites pas que si vous ingérez de l'huile, ça va vous faire graisser la peau. Pas du tout. Bien au contraire, moi je trouve que ma peau régresse de moins en moins. L'hiver, elle a tendance à régresser aussi. Je brille quasiment toute l'année. Mais c'est vrai que là, je trouve que ma peau paraît vraiment en meilleure santé. Et je pense que c'est dû aux produits et aux compléments alimentaires parce qu'ils sont vraiment hyper, hyper concentrés et très, très bien sélectionnés en termes d'ingrédients. Et le fait qu'il y ait des huiles de poisson et des huiles de krill la rend encore plus complète. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Voilà pour ça. Ensuite, niveau crème de jour. Alors, en ce moment, en crème de jour, j'utilise une crème qui est très particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est la crème de chez New Skin. C'est la Napka Moisturizer. Alors, cette crème-là, au départ, j'ai eu un tout petit peu peur parce que je me suis dit, la crème ne va pas me satisfaire en termes d'hydratation parce qu'elle va être trop légère. Alors la crème se présente comme ça. Donc vous voyez, je fais ça bien, je fais des petits dessins et tout avec mes doigts. Elle se présente comme ça, donc c'est une texture assez légère. Elle a un petit côté brillant, je trouve, c'est hyper agréable. Ce qu'il y a de génial dans cette crème, déjà, c'est que c'est du 75 ml, donc vous en avez vraiment pour un moment. Et moi, ce que j'adore quand je l'applique, c'est que je prends une quantité assez généreuse. Et je viens masser ma peau avec, et en fait, la peau l'absorbe immédiatement parce qu'à l'intérieur, vous avez du sodium PCA et de l'aloe vera. Le sodium PCA, c'est un humectant, c'est-à-dire que ça va vraiment gonfler votre peau en eau et ça va maintenir l'eau tout au long de la journée. Le sodium PCA, c'est un composant qui est présent dans les peaux qui sont souples, qui sont beaucoup plus gorgées en eau, qui présentent vraiment un aspect hydraté. Elles présentent plus de sodium PCA que les peaux qui sont déshydratées, qui manquent de confort et qui manquent justement de cette souplesse au niveau de la peau. Du coup, vous apportez du sodium PCA à votre peau et c'est juste incroyable parce que ça donne vraiment de l'éclat et ça lisse immédiatement. On dirait que vous avez pris une, je sais pas, je me fais la réflexion à chaque fois, une aiguille et que vous êtes rempli la peau d'eau. Au final, ça fait un effet vraiment lisse en surface et en profondeur parce qu'au final, vous ressentez pas du tout un manque d'hydratation. Par contre, étant donné que c'est une hydratation légère, elle est plus préconisée quand même pour les peaux mixtes à grasse. Les peaux sèches se dirigeront vers une autre gamme qui sera beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus hydratante. Mais pour une peau mixte à grasse qui cherche que de l'hydratation, un confort et un effet vraiment buvard, parce que ça crée un effet buvard, vous avez la peau qui brille pas du tout, vous n'avez pas une sensation de crème sur le visage. Et c'est ce que j'adore avec cette crème-là. C'est la première fois que je vois une crème qui m'apporte ce résultat-là, en fait, assez particulier, mais vraiment, vraiment agréable. Donc ça, c'est vraiment un favori. Je pense qu'elle va le rester pendant un petit moment et j'ai pas encore fini de le pot. Donc vraiment ça, top. Et pour finir, je voulais vous parler des muesli de chez SoShape, donc les Smart Muesli. C'est mon dernier paquet, donc j'en ai mangé deux déjà. Je termine le troisième. Et comment vous dire que c'est juste délicieux. Le matin pour le petit déj, le soir devant un petit film, vous pouvez grignoter sans forcément être frustré ou culpabilisé parce qu'il y a moins 85% de sucre à l'intérieur et vous avez 50% de matière grasse en moins. Il n'y a pas de lactose, pas de conservateur, pas d'OGM, c'est végétarien et c'est sans colorant. Donc ça, c'est vraiment bien pour ceux et celles qui aiment bien avoir un petit déj assez sain et éviter de manger des muesli qui sont hyper sucrés, ce qu'on peut trouver sur le marché. Vous regardez, le deuxième ingrédient ou le premier, c'est du sucre. Là, pas du tout, vous avez plein de céréales, vous avez des fibres alimentaires, vous avez vraiment pas mal de céréales assez intéressantes. Vous avez des fraises lyophilisées, des framboises aussi, parce que c'est la gamme aux fruits rouges. Vous avez celle au chocolat aussi. Et ça fait partie des gammes Smart Muesli. Donc ce sont des petits plus que rajoute la marque à côté de leur berlingot pour pouvoir manger sainement et pour éviter de manger trop sucré quand on a envie de se faire plaisir comme ça. Donc vraiment, je suis super content de ce produit. Voilà, que vous dire d'autre, c'est 100% français. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo SoShape ou qui souhaitent avoir plus de renseignements sur la marque, je vous invite à aller sur ma playlist SoShape parce que vous avez toutes les vidéos qui présentent justement la marque. Voilà pour ça, donc écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, ma vidéo favori est finie. Si vous avez des questions concernant la marque New Skin ou les compléments alimentaires, surtout n'hésitez pas à faire votre demande par mail. C'est très personnalisé étant donné que ce sont des traitements vraiment de peau, on est vraiment dans du soin qui est très complet
Il y a une recherche derrière autour de ces soins-là, donc je vous apporterai tous mes conseils, ou même si vous souhaitez discuter avec moi de la marque, etc., n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.